Hey, bonjour. Bonjour, nous sommes le 20 février 2012 et voici le titre principal de ce journal. L'affaire Fatma Boulilgaz connaît de nouveaux rebondissements. En effet, après avoir blessé Kerim Ilgaz, Mustapha Nalkali avait pris la fuite et ce dernier a été rattrapé par la police hier soir dans la nuit. Il semblerait que lui aussi ait été blessé et il se trouve désormais dans un état grave et aurait passé plusieurs heures en soins intensifs à l'hôpital. Les médecins ont confirmé l'état critique de Mustapha Nalkali mais n'ont pas souhaité communiquer davantage de détails. Nous rappelons également que Mustapha Nalkali est aussi le suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de Voural Namli. Tous ces éléments font partie de plusieurs enquêtes en cours et pourraient faire avancer la cause de Fatmagul Ilgaz, la femme de Kerim Ilgaz, qui fut elle-même victime de viol à Izmir et dont le procès est toujours en cours pour le moment. Son mari avait d'ailleurs été emprisonné puis relaxé par la justice. Concernant les dernières informations à propos de la famille Yassaran, dont certains membres sont accusés du viol de Fatmagul Ilgaz, les faits sont tous niés en bloc depuis le début par tous les membres du clan. Cependant, Rezat Yassaran a bien été arrêté récemment. L'avocat de la famille, Mounir Telsi, a fait une déclaration à la presse et en voici l'extrait. Comme je l'ai toujours dit, on finira par prouver notre innocence. On est en train d'essayer de salir le nom des Yassaran, mais tout le monde apprendra bientôt la vérité. Mais Rezat Yassaran a bien été arrêté. Est-ce que vous avez une déclaration à faire? Absolument. Rezat Yassaran sera bientôt un homme libre, vous pouvez me croire. Il sera rapidement de retour chez lui. Toute cette affaire sera bientôt terminée et tout le monde apprendra la vérité et notre nom sera rétabli. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci et bonne soirée. Plus de questions, merci. Le public qui suit cette affaire de près est désormais dans l'attente du procès qui aura lieu le 5 mars prochain. En attendant, la police a également lancé un mandat d'arrêt contre Selim et Erdogan Yassaran qui ont disparu de leur domicile et sont activement recherchés. Eh bien, j'espère qu'ils vont être arrêtés rapidement, ces deux-là. Moi, je suis sûre qu'ils se prélassent sur une plage déserte quelque part loin d'ici. Comme dans les films, tu vois. Ils ne les retrouveront jamais. Et Rezat Yassaran sera libéré de prison en moins de temps qu'il n'en faut pour dire pâtisserie. Moukaddes, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il faut plutôt espérer le contraire. Mais c'est la vérité. Si tu as fini, il faudrait nettoyer la table et mettre la vaisselle sale dans la vaisselle. Très bien. Je vais aller me laver les mains d'abord. Combien de gâteaux ont été commandés pour aujourd'hui? 3 gâteaux, il me semble. 2 au chocolat et 1 à la banane, je crois. Tiens, les cookies sont déjà prêts. Il faudrait les mettre au four maintenant. On va plutôt préparer les feuilles de vigne farcies d'abord. Moi, j'ai quasiment terminé. C'est la dernière pâte que je prépare. Il ne nous restera plus qu'à préparer les tartes et on aura tout fait. Et donc, tu as trouvé tout ça juste en voyant les clés de la voiture pendre, c'est bien ça, hein? C'est ça. On vient de préparer du thé. Je vous en sers un peu ou pas? Non, merci, ça. C'est très gentil, mais pour moi non plus, merci. Pour moi non plus, merci beaucoup. Pareil pour moi. Bon, très bien, alors je vais débarrasser. Alors comment tu as fait pour retrouver le garage? Il y a pas mal d'endroits comme celui-là qui récupèrent les voitures volées. Alors Mumtaz a recherché dans quel garage cette voiture aurait pu être emmenée. Mais je ne comprends pas quelque chose. Comment est-ce que tu as su qu'ils allaient désosser la voiture exactement, hein? Comment tu as fait pour savoir ça? La police était à la recherche de la voiture de Mustapha, donc ça voulait dire qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix pour effacer ses traces. Il y avait de grandes chances pour qu'ils décident de la démonter. Ces gens-là ne l'aidaient pas par gentillesse, eux aussi voulaient tirer quelque chose de cette histoire. Omer m'a dit que le vieil homme et la vieille dame avaient été arrêtés tous les deux. Absolument. Mais vous devriez vous reconvertir en détective, Faretin. Vous êtes vraiment extraordinaire. Mumtaz m'a beaucoup aidé. La police a dû arrêter pas mal de monde d'un coup la nuit dernière, on dirait, n'est-ce pas? C'est une belle prise, c'est vrai. Et papa qui manigançait tout ça dans le plus grand secret. Oui, la police et moi, on a essayé d'être discrets. Et il n'y avait aucune raison de t'inquiéter avec ça, vraiment. Merci, papa. Non mais vous devriez les entendre discuter là-bas, c'est incroyable ce qu'il a fait. Kerim est tout fier de son papa qui a poursuivi et arrêté Mustapha, je t'assure. Et Faretin quand même. C'est un véritable agent secret cet homme. C'est James Bond. Hé hey, les filles, on a l'agent 007 dans la maison en ce moment. Mais alors... Dieu nous en préserve, mais si Mustapha venait à mourir de sa blessure, enfin je veux dire, qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Est-ce que tu pourrais avoir des problèmes? Puisque c'est toi qui lui as tiré dessus. J'ai déjà tout expliqué à la police. C'est de la légitime défense. Mais il est possible que j'aie affaire à la justice. Oui, mais ce n'est pas seulement la blessure qui causerait sa mort. C'est vrai que tu lui as tiré dessus, mais s'il ne s'était pas enfui et qu'il s'était rendu, il aurait été conduit à un hôpital directement et on l'aurait soigné. Alors il est vraiment mal en point, c'est vrai. Il a gravement été blessé, hein. Et il a perdu beaucoup de sang en plus. En fait, moi je veux plus en entendre parler, d'accord? Alors dites-moi, est-ce que je peux vous aider? Non, c'est bon. Ah,
Tiens, passe-moi ça, je suis en train de nettoyer. Merci beaucoup. Tu as besoin de quelque chose, Fatma Ghoul ? S'il te plaît, reste à la maison, ne sors pas maintenant. D'accord, très bien. Je vais livrer ça, je fais l'aller-retour, d'accord ? Ils ne tiennent pas en place, ces deux-là. Maintenant, ils veulent avoir Selim et Erdogan, c'est ça ? Bon alors, c'est quoi votre nouveau plan maintenant ? Allez, dis-moi ce que vous préparez, je veux savoir. Allez, dis-le-moi, dis-le-moi. Arrête, laisse-le. Ah, c'est pas vrai, tu ne peux vraiment pas t'empêcher de dire des bêtises, hein ? On est foutu maintenant, on est foutu. Mustapha va tout balancer maintenant, il va raconter tout ce qu'il sait. Il faut espérer qu'il ne s'en sorte pas pour qu'il ne puisse rien dire. Tu peux rêver, mec, mais à mon avis, il va se réveiller et tout balancer, c'est tout. T'as sûrement raison. Alors il faudrait qu'on se casse maintenant, tout de suite, et partir dès ce soir, il y a plus de temps à perdre. On va voir ça, mais d'abord calme-toi. Tu sais très bien qu'en se précipitant, on pourrait commettre une erreur. On va retourner en prison si on attend. Non, on ne va pas y retourner. C'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé dans cet endroit dégueulasse, c'est parce qu'on a un plan. D'accord, mais il faut qu'on parte au plus vite. Oui, on va partir, on va partir. Reste calme en attendant. D'accord ? Il y a ta copine qui arrive. Qui ? Ah bah tu sais, tu vois bien de qui je veux parler, non d'ailleurs, comment elle s'appelle déjà ? J'espère que personne ne l'a suivi jusqu'ici au moins. En tout cas, pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Bonjour, vous deux. Salut, ça va ? Bon, bah, j'espère que tu n'es pas venu ici pour nous contrarier comme la dernière fois, dis-moi. Non, je vous ai amené de quoi déjeuner, plutôt. Voilà. Ah, et ça aussi. Je me suis dit que vous voudriez peut-être le lire. Sinon, il y a toujours les mots croisés à la fin. Il y avait plus flatteur comme photo. Malheureusement, vous intéressez beaucoup la presse, tous les deux. Ouais, et la télé aussi. Tiens, prends ça. C'est un téléphone prépayé, il est neuf. Tu le gardes avec toi et tu attends mon appel, ok ? Il ne doit servir qu'à ça, d'accord ? Vous ne devez appeler personne avec. D'accord. Les téléphones de vos familles et de vos amis doivent être sur écoute maintenant. Alors si jamais vous passez un appel, la police pourra l'intercepter et s'ils font ça, notre plan tombera à l'eau. Oui, c'est bon, on a compris, d'accord. Ok, tant mieux. Attendez mon appel, alors. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait qu'on parte ce soir. Nous, on est prêts. Ça, c'est pas possible. C'est trop tôt. On ne peut pas partir ce soir. Il va falloir vous armer de patience, maintenant. Elle n'écoute vraiment personne, celle-là, hein ? On est coincé ici, du coup. Tu vois, on a encore oublié de lui demander. On ne connaît toujours pas son nom, voilà. Allez, arrête un peu de faire cette tête-là. Elle a l'air réglo, cette fille. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Allez, viens, on va manger quelque chose. On n'a pas besoin de se laisser mourir. Cet homme est vraiment bizarre, je t'assure. Il m'a pas regardé une seule seconde depuis que je suis là. Il est en train de me rendre dingue, Mounir. J'arrive pas à le cerner. Allez, ça va. Pourquoi est-ce que tu tiens tellement à parler avec quelqu'un que tu ne connais même pas de toute façon ? Ah oui, c'est facile pour toi de dire ça, évidemment. Mais le temps n'avance pas ici, Mounir, on est en arrêt sur image. Je m'ennuie à mourir. Je vais devenir fou, moi. Y a rien à part cet homme dans cette cellule, c'est tout ce que j'ai, je te le dis, moi. Je vais devenir complètement fou si je reste ici plus longtemps, tu comprends, je vais perdre la raison. Sors-moi de là ! Sors-moi de là tout de suite ! Mais il n'y a même pas de directeur dans cet endroit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Non, mais c'est pas l'aide d'un directeur que je veux, là. Je veux foutre le camp d'ici définitivement, alors tu dois trouver une solution. Mais tu sais pertinemment que je fais déjà tout ce que je peux, non ? Mais Mustapha vient d'être arrêté. Et si jamais il avoue tout, enfin pour l'instant, il est en piteux état, alors il faut prier. Parce que s'il se remet de sa blessure et qu'il témoigne au procès, on est fichu, tu réalises ? Mais s'il meurt, alors il emportera toutes les preuves dans sa tombe. Et je vais prier, moi, maintenant. Tu sais très bien que c'est ma femme le vrai problème. C'est elle qui a donné tout ce qu'il fallait au procureur pour me faire coffrer ici. Et tu n'as aucune idée de ce que ça signifie tout ça en réalité. Pourquoi est-ce que je souhaiterais la mort de Mustapha maintenant, moi ? C'est elle mon véritable ennemi, c'est pas lui. Écoute-moi, Mustapha, c'est le cadet de mes soucis pour l'instant, Mounir. Je me méfie plutôt de la mère de mon fils.
Parce que pendant que je fais tout pour sauver la peau de notre fils, elle, de son côté, elle se réjouit que j'atterrisse en prison et elle s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle soit sûre que je moisisse ici. D'accord, c'est bon, j'ai compris, mais calme-toi, j'ai déjà discuté avec elle. Et tout va bien, ok, ne t'inquiète pas. Non, t'as raison, bien sûr. C'est juste à cause d'elle que je suis ici. Mais on ne peut pas l'obliger à témoigner contre toi parce qu'elle est ta femme, tu comprends ça? Oh, comme c'est merveilleux, me voilà rassuré. Elle allait... Est-ce qu'elle a dit quelque chose ou... Vous avez pu discuter tous les deux ou pas? Et dire qu'on était sur le point de concrétiser nos projets et voilà que j'atterris ici. On a parlé, oui, et on doit garder contact maintenant. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, et j'ai parlé de mon plan à Ilmiye aussi, et... Je lui ai dit qu'il fallait tout mettre sur le dos de Erdogan. Mais elle l'a mal pris. Elle est devenue hystérique. Je suis sûr qu'elle va essayer de le joindre pour tout lui raconter maintenant. Ou peut-être même qu'elle va essayer de le retrouver. Ou que lui va peut-être l'appeler. Écoute-moi, ni Selim, ni Erdogan ne m'importent en ce moment, Mounir. Je m'en fous complètement même, hein. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, ces deux-là, mais moi je veux sortir d'ici, d'accord? Vraiment, je suis sérieux, je dois sortir d'ici tout de suite. Mounir, écoute-moi, tu dois m'aider. Sinon tu termineras ici avec moi. D'accord, c'est bon, je sais, mais tu dois te calmer là. Mais je ne plaisante pas, Mounir, si tu ne m'aides pas à sortir d'ici, je détruirai ta vie et tu finiras au trou tout comme moi, c'est clair. J'ai dit d'accord, et j'ai promis que je t'aiderai, alors je vais le faire. Maintenant calme-toi. Bonjour. Ilmiye est là, s'il vous plaît? Oui, elle est là, pourquoi? Est-ce qu'elle pourrait venir? J'ai quelque chose à lui donner. Je peux lui remettre, si vous voulez. Non, je dois lui remettre en main propre, s'il vous plaît. Inutile de la déranger, je peux très bien le faire, vous savez. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, mais une femme voulait que je vous remette ceci en main propre. Vous savez qui était cette femme ou pas? Non, je l'ai jamais vue. Mais elle était jeune. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Ilmiye. Je suis la petite amie d'Erdogan. J'ai un message important à vous délivrer. Pouvez-vous me rejoindre tout de suite? Je vous attends au supermarché. Venez seul, s'il vous plaît. Ilmiye? Où tu vas? Tu sors? Le jardinier. Eh bien, qu'est-ce qu'il te veut? Il vient de me dire que le chien de l'allée avait abîmé beaucoup de nos fleurs. Alors, il faut que j'aille faire un tour au supermarché. Mais pourquoi tu veux aller là-bas maintenant? Si tu as besoin de quelque chose, envoie quelqu'un le chercher. Non, je préfère y aller moi-même. J'ai besoin de prendre un peu l'air. D'accord, à tout à l'heure. Pardon, je crois que vous avez fait tomber ça. En effet, merci beaucoup, c'est gentil. Je m'appelle Mugge. S'il vous plaît, vous ne devez le dire à personne, d'accord? Erdogan voulait que je fasse très attention. Comment il va? Vous savez où il est? Non, malheureusement, je ne sais pas du tout où il se trouve, mais je suis sûre qu'il va bien. Son numéro de téléphone est noté sur le papier. Il voudrait que vous l'appeliez au plus vite. Utilisez un portable qui ne soit pas sur écoute. Oui, je comprends. Mais ne l'appelez pas tout de suite. Appelez-le plutôt cette nuit, d'accord? Très bien. Je vous remercie pour votre aide. Comme c'est dommage, en temps normal, c'est Erdogan qui ferait les présentations. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre, j'en suis sûre. Et Erdogan pourra bientôt rentrer chez lui, ne vous en faites pas. Nous sommes très amoureux, vous savez, et nous avons confiance l'un envers l'autre, profondément. Et quand tout ça sera terminé, je suis sûre qu'il prendra le temps de vous expliquer. Je veux dire, à propos de nous deux. Oh, vraiment?
Bon, c'est très bien. Je ne veux pas attirer l'attention, alors. Il vaut mieux que je parte. Je vous remercie d'être venue, en tout cas. Je vous en prie, c'était un plaisir, madame. Je suis ravie de vous avoir rencontrée. Également. J'espère vous revoir bientôt. Vous savez où est passé Mouguet? J'essaye de la joindre depuis tout à l'heure, mais sans succès. Oui, elle sera là dans 2 heures, madame. D'accord. Bon, et quand elle arrivera, donnez-lui ça, s'il vous plaît. Elle doit le remettre à Oran, c'est important. Si c'est urgent, je peux m'en charger maintenant. Très bien. Pendant que j'y pense, la réunion du conseil aura lieu le 22 ce mois-ci, alors si vous pouviez lui transmettre le message, ça m'arrangerait beaucoup. Oui, je vais le noter tout de suite. Voilà, c'est fait. Très bien, merci beaucoup. Alors ça y est, tu y vas, mon chéri? Oui, je vais d'abord passer à l'hôpital et après j'irai directement au bureau. Ah, encore une journée chargée. Est-ce que Faretin est toujours là? Oui, il est toujours dans sa chambre, il se repose un peu. Il doit être exténué, le pauvre homme. Ah, faites bien attention avec tout ça, surtout on n'en a pas d'autre. On ne pourra rien remplacer. Allez, à ce soir, ma chérie. Passe une bonne nuit. Bon, à plus tard, tout le monde. À ce soir, Kadir. Alors, il te faut autre chose, Myriam? Il devrait y avoir un carton de plus à prendre. Moukadès, tu es prête? J'arrive! Bon, fais bien attention avec ça, surtout. Oh, mais c'est pas vrai! Ils ne peuvent pas nous laisser un peu tranquilles, ceux-là. Kérim, surtout ne leur réponds pas s'ils te posent des questions, d'accord? Vas-y, ignore-les. Kérim, est-ce que Fatma Ghoul est traumatisée depuis son enlèvement? Comment se sent-elle, s'il vous plaît? Dites-nous, Kérim. Est-ce qu'il est vrai que Mustapha Nalkali a brutalisé votre femme pendant qu'elle était séquestrée? Kérim, s'il vous plaît, Mustapha Nalkali a kidnappé votre femme. Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez ressenti pendant cet enlèvement? Avez-vous eu peur pour elle? Je n'ai rien à dire, merci. Très bien, on y va alors. Kérim, attendez. Vous avez gardé le silence depuis cet enlèvement. Quelle en est la raison, s'il vous plaît? Kérim, attendez, est-ce que vous avez l'intention de vous venger de Mustapha Nalkali après ce qu'il a fait? C'est bon, ça suffit maintenant. C'est quoi votre problème? Bon, ça suffit maintenant. Tâchez de ne pas dépasser les limites et laissez-les tranquilles. Mais on fait seulement notre travail, c'est tout. Écoutez, vous ne faites que nous déranger avec toutes vos questions incessantes. Et vous n'avez aucun respect pour aucun d'entre nous. Écoutez, c'est là que vous vous trompez vraiment sur nous, monsieur. On est tous de votre côté. Alors montrez-le nous en nous laissant un peu tranquilles dans ce cas. Si vous aviez un minimum de respect pour cette famille, c'est ce que vous feriez, vous voyez. Et on n'aurait pas besoin de venir vous le dire. Les temps sont durs pour nous tous, est-ce que vous comprenez? Et nous traversons une période extrêmement éprouvante et compliquée. Est-ce que vous vous rendez compte? Vos questions, votre présence ne font qu'aggraver la situation. Si vous aviez un peu de cœur, vous ne poseriez pas ce genre de questions blessantes. Essayez de garder ça en tête. Maintenant, partez. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Ils finiront tous par être arrêtés et Fatma Ghoul gagnera le procès. C'est pas vrai, Rami! Maintenant, partez. Allons-y, Mehmet. Bon, très bien, je pense que vous pouvez partir maintenant. S'il vous plaît, ne restez pas ici. Parce que tant que vous êtes là, vous m'empêchez de faire mon travail correctement.
Dis donc, tu as entendu le discours de Kerim ? Il s'est bien débrouillé, c'était émouvant, hein ? J'ai failli en pleurer, moi. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À bientôt. Bonjour, Acer, ça va ? Bonjour, Kadir. Alors, qu'est-ce que t'ont dit les médecins ? Pas grand-chose. Ils ont simplement dit que l'opération s'était bien passée. Et toi, alors, est-ce que ça va bien ? Tu n'as pas l'air très en forme pourtant, je ne comprends pas pourquoi tu es venu là. C'est ce que je lui ai dit, mais elle a rien voulu entendre. Et c'est à peine si elle a pu dormir cette nuit. Et pourquoi ça ? C'est parce que mon ex-mari a réussi à me retrouver. Et il est venu à l'appartement de Samy la nuit dernière. Ah oui, vraiment ? On s'est rendu au poste, mais on n'a pas d'infos sur lui. On ne connaît même pas son adresse. Alors je crois qu'ils ne peuvent rien faire pour nous dans ce cas. Je reviens pas qu'ils puissent pas nous aider. On verra. Et tu as un autre endroit où aller au moins ? Non. Il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Je vais m'en occuper, je vais bientôt trouver un endroit. Je peux t'aider à trouver un endroit où rester jusqu'à ce que commence le procès. Tu sais que tu seras appelé à témoigner, n'est-ce pas ? Oui, je le sais bien. J'irai nulle part avant la fin du procès, tu peux compter sur moi. Mais il va falloir que tu te reposes jusque-là pour le bien du bébé, c'est important. Oui, mais c'est très difficile dans ces conditions, tu sais. Mon bébé va naître au beau milieu de ce cauchemar. J'ai vraiment peur pour lui. Moi, je m'en fiche. Je comprends, oui. Alors, tu es prête ou pas ? Attends une petite minute. Voilà. C'est bon, on peut y aller. Et pour toujours ? Hein ? Parce que vous savez ce qu'on dit, les rats sont toujours les premiers à quitter le navire. Ah, mais tu ne crois pas si bien dire ? C'est sûrement pour ça qu'on ne croise plus un Yasaren. Vous êtes peut-être toujours dans vos bureaux, toutes les deux, hein ? Mais on sait ce qui se passe en réalité. Et je vous plains sincèrement, parce que vos jours dans ces locaux n'auront pas été tout roses. C'est bon, tu peux y aller. C'est vrai, vous avez perdu tout votre prestige à cause de Mustapha. Cet homme en qui vous aviez toute confiance, mais qui a fait fuir tous vos associés. Eh oui, je sais qu'ils vous ont tous laissé tomber, quelle triste nouvelle. Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Ils vous ont laissé tomber. Parce qu'ils essayent tant bien que mal de comprendre comment vous avez pu en venir à employer quelqu'un comme Mustapha, mais ils ne peuvent pas savoir quel genre de relation vous avez pu entretenir. Mais qu'est-ce que tu entends par là ? Allez, sors d'ici maintenant ! Oh, mais elle mord, la petite. Tu es allée pleurer chez Reza Tiasaran et tu lui as demandé pitié. C'est pathétique, si tu veux mon avis. Mais attention, ne vous méprenez pas, je ne ressens aucune espèce d'empathie envers vous, mesdames. Oh, mais alors je te rassure, nous ne ressentirons aucune espèce d'empathie pour toi non plus quand tu seras en prison. Reza Tiasaran ne sera certainement pas condamné pour ce qu'il a fait à Touraneur. Et peut-être même que tu échapperas toi aussi à la prison, je sais que vous avez de la ressource. Mais l'affaire Fatma Ghoul vous enterrera tous, et une fois que ce procès sera terminé, vous serez tous détruits. Vous ne pouvez pas vous en sortir cette fois-ci, vous allez tous couler. Et nous, pendant ce temps, nous n'aurons qu'à apprécier le spectacle de votre déchéance. Vas-y, continue et essaye de te consoler avec tes belles histoires, alors. Et moi, je me permettrai de vous les rappeler le jour où vous ferez vos cartons pour foutre le camp d'ici. Il se trouve que j'ai relu les conditions du contrat une nouvelle fois et... Ils ne peuvent pas se rétracter et rompre l'accord sur les énergies éoliennes, tu vois, et on a déjà réglé toutes nos dettes. Grâce à nos nouveaux et généreux investisseurs. Alors il est temps que vous vous trouviez de nouvelles occupations, mais bien sûr, on tâchera de vous organiser un joli pot de départ. Voilà, je voulais juste vous prévenir un peu en avance, histoire de vous éviter une énième déception. Allez, bonne soirée. Oh non, mais quelle plaie celui-là ! Ah, il y avait un tel monde sur la route, je pensais pas être aussi en retard. Mouguet ? Vous ne me demandez pas si j'ai des nouvelles d'Erdogan ? Mais pourquoi je vous demanderais ça ? Je ne sais pas.
Parce que je lis les journaux, donc j'ai de ces nouvelles à travers eux, c'est tout. Mais pourquoi vous me demandez ça? Juste comme ça. On s'en va, nous. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée. C'est son téléphone à elle qui devrait être sur écoute. Je pense que je vais le dire à la police. Qui ça? Mugué, qui d'autre? Pourquoi? Simplement parce que c'est la secrétaire du président. Et elle sait beaucoup de choses, à mon avis. Tu vois, on se demandait comment les Yasaran avaient appris pour l'énergie éolienne. Eh bien, je crois justement qu'on avait la réponse sous nos yeux, tu vois. Attends, tu crois qu'elle leur a dit? J'en suis pas sûre, mais peut-être qu'Erdogan s'est servi d'elle. Est-ce qu'on va devoir recommencer la préparation des gâteaux encore ou pas? Oui, comme ça, ça nous évitera de le faire demain. Mokadès, dis-moi. Si tu veux, tu peux venir me donner un coup de main, tu sais. Mais je ne les fais pas aussi bien que toi, moi. Oui, c'est une excuse bien trouvée pour ne pas avoir à m'aider, hein. Mais non, c'est pas du tout une excuse. Ne t'inquiète pas, je vais venir t'aider dès que j'aurai fini ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je repensais juste à quelque chose. À quoi? Non, rien. Allez, allez, à vous, tu te moques de moi, c'est ça, hein? Et de la tête de mes pâtisseries. Mais non, pas du tout, je ne me moque pas de toi. C'est juste que je repense à notre première soirée à l'hôtel avec Kadir. Bah voyons. On avait commandé à dîner dans notre chambre, c'était romantique. Avec des fleurs et des bougies disposées sur la table, c'était magnifique à voir. Et décoré et présenté avec beaucoup de goût, c'était très chic avec les couvercles en argent. Et là, quand j'ai soulevé la cloche, devinez ce qu'il y avait en dessous. Des feuilles de vigne. Mais non, c'est pas vrai. Et oui, alors que le jour d'avant, j'avais dû en préparer des milliers, et que je ne pouvais plus les voir. Elles étaient de retour, elles m'avaient suivie jusque dans notre chambre d'hôtel. Et après, Kadir a réussi à te faire oublier toutes ces feuilles de vigne. Oh, c'est bon, ça va, on est entre filles, on peut bien parler un peu, non? Allez, raconte-moi, s'il te plaît. T'es pas sérieuse. Alors? C'était la première fois que tu passais la nuit avec un homme ou pas? Mokadès, fais attention à ce que tu dis quand même. Ne le prends pas mal, je veux juste savoir ce que tu as ressenti. J'étais heureuse, je crois. Oui, c'est ça, j'étais très heureuse. Et comment ne pas l'être? Quand quelqu'un entre dans ta vie, que tu tombes amoureuse et que lui t'aime en retour, quand il fait partie de ta vie et que tu partages tout avec lui, il devient toute ta vie. Et quel bonheur quand on partage en plus cette confiance. C'est une bénédiction de vivre une chose pareille. Alors tu ris et tu attends avec impatience de voir ce que l'avenir te réserve et les cadeaux que la vie va t'offrir. Je crois vraiment qu'aimer quelqu'un nous rapproche du bonheur absolu. C'est ce qu'il y a de plus pur dans la vie. Eh bien, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Moi, je reçois 2 fois plus d'amour avec mes 2 enfants. Mokadès, tu es vraiment incroyable. Mais c'est pas fini. Allez, continue, allez. Mais ce n'est pas quelque chose qui se raconte vraiment. Le bonheur de se sentir proche de l'homme qu'on aime. C'est différent, je veux dire, le devoir conjugal, ce n'est pas ce qui compte le plus. Mais pouvoir s'endormir ensemble. Enfin, dormir dans ses bras paisiblement et partager ce moment. C'est ça, la vraie intimité. C'est ça qui compte vraiment, à mon sens. Ah, je ne te savais pas aussi romantique, toi. Mais non, je ne suis pas plus romantique qu'une autre. Attends, c'est toi qui m'as demandé ce que j'avais ressenti, non? Oui, mais c'est bien un homme qui te fait dire toutes ces belles choses, hein, c'est pas moi. Je me demande où vous irez pour votre lune de miel, tous les deux. Je suis sûre que vous allez être très heureux, en tout cas. Faites ma boule. Ah, quand on parle du loup... Là, là, on est dans la cuisine. Comment ça va, ici? Tout va très bien, merci beaucoup. Vous êtes occupé de votre côté? Bah, et beaucoup. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Non! On parlait de trucs de filles, c'est tout. On faisait dans le romantisme, tu vois. «
c'était délicieux. Ah, merci, c'est très gentil. Je vais aller préparer le thé maintenant, excusez-moi. Ah oui, du thé, quelle bonne idée, j'en meurs d'envie, vas-y. Allez, mon garçon, allez, viens. On doit aller se laver les mains, nous. Est-ce que tu veux qu'on aille se balader un peu ? Je ne sais pas. Je me disais juste qu'on pouvait prendre l'air un peu et rentrer prendre le thé. Vous ne pouvez pas... Mirzat est rentré chez lui. Vous ne pouvez pas sortir sans lui, non ? Je peux appeler Mumtaz si vous voulez. Il peut venir avec nous. Non, c'est pas la peine de l'appeler pour ça. Il n'y a personne devant la maison. C'est calme pour l'instant. En plus, je me disais qu'on pourrait peut-être aller sur le bord de mer pour changer un peu. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Ouais, ouais, samedi, d'accord. Allons-y, alors. Oui, oui, vous avez raison. Vous n'avez pas passé de temps tous les deux depuis un moment. Ça vous fera du bien, j'imagine. Bon, je vais aller chercher mon manteau au cas où il ferait froid, d'accord ? Est-ce que tu sais si Kadir est toujours en bas ? Oui, il est en bas. Il est au téléphone avec quelqu'un. Peut-être qu'il ne veut pas que tu l'entendes parler. J'ai remarqué qu'il passait souvent des coups de fil quand tu n'étais pas dans les parages. Bizarre, non ? C'est bon, tu peux amener tout ça à la cuisine. D'accord, d'accord. Tu as raison, va plutôt découvrir ce que cache ton mari. Ah oui, et si tu as froid, tu peux utiliser le chauffage d'appoint et ferme bien la porte. Non, c'est un endroit sûr, ne t'inquiète surtout pas. Et j'ai aussi prévenu la sécurité, je leur ai dit que tu resterais là pendant un moment, donc ils sont au courant, il n'y a aucun souci. Oui, d'accord, d'accord. Oui, je te rappelle demain, alors. Ne sors pas ce soir, et si t'as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à m'appeler, d'accord ? Prends soin de toi. Allez, passe une bonne nuit. Et tâche de te reposer, surtout. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Est-ce que tout va bien, au moins ? Oh oui, ma chérie, ne t'en fais pas, tout va bien. Tu es sûre ? On dirait qu'il y a quelque chose. Avec qui tu parlais au téléphone, dis-moi ? Eh bien, c'est Acer. Elle est à mon bureau pour le moment. Son ex-mari est après elle et il sait où la trouver. Il a l'air d'être assez dangereux en plus. Il est venu d'Allemagne pour elle, apparemment. Tu fais ça pour l'aider maintenant, c'est ça ? Bah oui, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, enfin ? J'allais pas attendre qu'il la retrouve et qu'il lui fasse du mal. Mais est-ce que tu dois vraiment aider chaque personne qui se retrouve dans le pétrin ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est à toi de gérer les ennuis de tout le monde ? On a peut-être déjà assez de problèmes comme ça dans la famille, tu ne crois pas ? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Elle avait besoin d'aide. Et elle va quand même comparaître en tant que témoin. Je pouvais pas lui dire que ses problèmes ne m'intéressent pas. Ah, qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez tous les deux ? Ouais, on sort. On va aller se balader un peu. On en a pour une heure à peu près. Très bien, soyez prudents surtout. Ouais, plus tard. Alors ? Mais où ils sont tous passés ? Rami et Mourad regardent la télé tous les deux et Faritine est descendue, il se repose un peu. Dommage, on n'a pas eu le temps de discuter. Peut-être qu'il va remonter plus tard. Allô, Mumtaz ? Comment ça va ? Très bien, merci. Écoute, il faudrait qu'on trouve une nouvelle maison aussi vite que possible. Tu peux commencer les recherches. Et quand on l'aura trouvée, on la montrera à Fatma Ghoul et Kerim, d'accord ? Très bien. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Oui, je sais. Est-ce que tu as des enfants, toi ? Oui.
Un fils ou une fille? Un fils. Ouais, moi aussi, j'ai un fils. Et c'est même à cause de lui que je me retrouve ici. Et à cause de ma femme aussi. Voilà le cadeau que ma famille m'a fait, elle m'a envoyé ici. Quelle chance. Et pourquoi tu es là, toi? Regarde-moi. Mais pour qui tu te prends, toi, exactement, hein? Regarde-moi quand je te parle, regarde-moi, regarde-moi! T'as été élevé où, toi? Quand quelqu'un vous parle, la moindre des choses, c'est de la regarder dans les yeux, on t'a jamais appris ça? Mais pourquoi tu me réponds pas? Parce que j'ai pas envie de te parler, c'est tout. Être enfermé dans un endroit pareil avec un homme comme toi, c'est pas tout à fait ce que j'aurais choisi, tu vois? Donc que ce soit clair, je n'ai pas l'intention de discuter avec toi. Mais c'est à cause de ce qu'on raconte sur moi dans les journaux, c'est ça? Je connais bien l'affaire. Je suis journaliste. Et je sais très bien démêler le vrai du faux dans les journaux, tu comprends? Donc je sais aussi quel genre d'homme tu es. Alors c'est inutile d'essayer de te justifier devant moi, d'accord? Je pensais juste que... qu'on pourrait peut-être parler, simplement discuter ensemble. Et se tenir compagnie, enfin c'est... Je ne suis pas là pour te distraire, moi. Fais comme si j'étais pas là. Et moi je ferais pareil. Ne parle pas de nous aux infos. Y a rien de nouveau en fait, c'est toujours pareil sur toutes les chaînes. Ce serait parfait pour nous si tout était en train de se tasser là. Si tout le monde pouvait oublier. Ce serait parfait, oui. Erdogan? Erdogan? Où est-ce que t'es fourré, là? Erdogan? Tu parles à qui, là? Ne t'inquiète pas, maman, on va très bien. Non mais tu déconnes, tu parles à ta mère, là? Et comment tu vas? Tu es en bonne santé, mon fils? Je vais bien, je vais bien. Et toi, tout va bien, maman? Je suis très inquiète, mais pour l'instant, rien de nouveau. Écoute, maman, ne t'inquiète pas pour nous, d'accord? On a prévu un plan. Et on va quitter le pays très bientôt. Demande comment vont mes parents, s'il te plaît. Oui, tu fais bien, mon chéri. Il faut que tu partes et que tu ne reviennes jamais ici, d'accord? Parce qu'ils ont l'intention de tout te mettre sur le dos, tu m'entends? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien maintenant, Dorgan, d'accord? Mounir m'a expliqué que son plan était très clair. Il veut que tu payes pour tout ce qui s'est passé, mon fils. Et il compte s'y prendre comment, exactement? Je n'en sais rien, mais il m'a dit que tous les autres seraient sauvés si on faisait comme ça. Et dans l'affaire Turaner, c'est ta voix qui a été enregistrée, il va l'utiliser contre toi. Écoute, il ne peut rien, maman, alors arrête de t'inquiéter, ça va aller, d'accord? De toute façon, je vais quitter le pays, alors il peut bien faire ce qu'il veut, ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord, mais dis-moi, quand est-ce que je pourrais te revoir? Je ne sais pas, maman, mais je te tiendrai au courant. En attendant, ne t'inquiète pas, j'essaierai de te rappeler bientôt, d'accord? Oui, d'accord, très bien. Écoute, faites bien attention à vous, soyez prudent. D'accord, maman, écoute, il faut que je te laisse maintenant, mais ne me rappelle pas sur ce numéro, d'accord? De toute façon, je vais devoir me débarrasser de ce téléphone. Et ne dis à personne que tu m'as parlé, surtout, il faut que ça reste entre nous. C'est important que tu ne le dises à personne. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu me promets de faire coucou à Erdogan, s'il te plaît? Non, Mounir. Donne-le-moi, donne-le-moi! Allô, Erdogan? Ah, tu tombes bien, toi, alors. Dis-moi, est-ce que tu ne serais pas en train de préparer un sale coup? Il est au courant, j'imagine, hein? Bon, écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter, espèce de traître. T'as pas honte de me faire un coup pareil, franchement, hein? Tu n'as pas intérêt à aller au bout de ton idée, c'est moi qui te le dis. Ne me pousse pas à bout si jamais tu essaies de me couler comme ça. Mais si tu taisais un peu. Écoute, j'ai seulement dit tout ça à ta mère parce que je savais qu'elle allait te joindre. Bien sûr, je te crois. Il fallait que je trouve un moyen de te parler. Alors reprends tes esprits maintenant et reviens ici tout de suite, d'accord? Rentrez tous les deux. Ne soyez pas stupides. Je suis sérieux, vous devez arrêter vos conneries maintenant. Tu es toujours là? Tu m'entends? C'est hors de question, oublie-moi, ok? Je ne reviendrai jamais, t'as compris? Mais si tu veux, tu peux toujours dire à Céline qu'il peut rentrer. Mais ne me prends pas pour un con, d'accord? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas tout mettre sur le dos, Mounir Telsi. Allez, allez, donne-moi le téléphone maintenant, je veux lui parler aussi. Et si tu veux vraiment me faire arrêter, prépare-toi bien, Mounir. Parce que je balancerai tout ce que je sais sur toi, tu m'entends? Je le ferai sans hésiter. Allez, donne-moi le téléphone maintenant. Tu m'as bien compris, j'espère, Mounir. Tu tomberas avec moi. C'est pas vrai! Je vais
vous avais bien dit de ne pas appeler avec ce téléphone. T'aurais pu me le donner. Selim, va-t'en tout de suite parce que je suis sur les nerfs là. Mais je m'en fous de ça, mec. Je veux que tu me dises pourquoi tu ne me l'as pas donné, putain. C'est bon, arrêtez-vous, calmez-vous tous les deux. Vous faites n'importe quoi, on n'aurait jamais dû vous aider. Selim, entre ton père d'un côté, Mounir de l'autre, et toi maintenant, vous me fatiguez tous, d'accord? J'en ai marre de Qu'est-ce que tu racontes, mec? Eh, vous arrêtez tous les deux. Ah, tu l'auras bien mérité, celle-là. Ils essaient tous de me foutre sur le Arrêtez, dos. Arrêtez, ça ne sert à rien ce que vous faites. Retournez à l'intérieur, dépêchez-vous. C'est toi qui es responsable de tout ça, Arrêtez. C'est toi. Je vais te tuer, c'est à cause de toi, tout ça. T'es mort. Mais arrêtez, vous êtes devenu fou, quoi. C'est à cause de toi, ça. C'est à cause de toi que ma vie est détruite. Arrêtez maintenant, arrêtez, ça suffit. Arrêtez maintenant, qu'est-ce qui vous prend, c'est pas vrai? Pourquoi t'as fait ça, putain, t'es dingue ou quoi? Écoutez-moi, si vous enfreignez les règles, encore une seule fois, moi j'arrête tout, c'est clair? Si c'est à cause du téléphone que tu dis ça, c'est bon. J'ai fait attention, y a aucun problème, pas la peine de s'énerver. Je t'avais clairement demandé de ne pas utiliser le téléphone, mais tu l'as quand même fait. Tu as enfreint les règles. Moi aussi, je dois me protéger, d'accord? Si jamais vous vous faites choper, moi aussi j'aurai des ennuis, c'est pas compliqué à comprendre pourtant. Je leur fais. Ne m'interromps pas quand je parle. La police vous cherche partout en ce moment, ils n'arrêtent pas. Ils vous recherchent tous les deux. Et ils ont mis tout le monde sur le coup pour vous retrouver. Alors au lieu de vous battre comme des abrutis, vous allez m'attendre à l'intérieur du phare, ok? Et vous n'en sortirez plus jusqu'à ce que je vous le dise. Vous avez compris ou pas? Ok, allons-y alors. C'est bon, je vous ai trouvé un bateau. Mais vous devrez y aller tout seul. Je ne peux pas prendre de risques. Allez maintenant, retournez à l'intérieur. Allez-y, et n'allumez pas les lumières. Et surtout, attendez que je revienne, parce que c'est moi qui vous ferai sortir d'ici. Si jamais ils vous retrouvent, je pourrais me faire arrêter aussi, et c'est hors de question. Alors c'est pour ça que tu ne veux pas nous dire ton nom? Et pourquoi tu veux mon nom d'abord? T'as l'intention de m'envoyer une carte postale peut-être? Ça te servira à quoi? Allez, rentrez maintenant, et recommencez pas vos conneries. Hé, attends, redonne-moi le téléphone.